Bonjour à tous, c'est Gamescraft. Donc ce soir, maintenant là, je fais la vidéo pour vous montrer la mise à jour que je vais vous parler ce matin. Voilà. Donc ce matin, je vais vous parler de la mise à jour qui ajoute des choses. Voilà. Donc je vais faire la vidéo maintenant, comme ça, je vais voir qu'ils ont ajouté des choses dans le jeu. Donc sur Minecraft, voilà. Donc je vais vous abonner, liker, partager. Si vous voulez tester les nouveautés, si vous voulez tester les nouveautés, je mettrai peut-être la description, le téléchargement, voilà, pour tester, voilà. Donc là, on va tester les nouveautés qu'il y a dans le jeu, voilà. Donc on va tester qu'ils ont ajouté. Je vais vous montrer tout qu'ils ont ajouté dans cette vidéo, ok? Donc on va se mettre tranquillement. Hop, on laisse tout ça comme ça. Donc je clique par. Donc on va se laisser tranquille. On va commencer. Hop, voilà. Il faut activer ça, je crois. Je sais pas. Donc moi je l'ai fait que j'active tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il faut activer tout. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout qu'ils ont ajouté dans cette mise à jour un peu dire. D'accord, je vais vous montrer tout qu'ils ont ajouté dans cette mise à jour. Ok? Donc je vais vous comprendre que j'ai mis qu'on soit sur le monde. Ok? De la mise à jour. Ok? Allez, je vais vous montrer qu'ils ont ajouté. Allez, à tout de suite. Alors, tout le monde, on est sur la map que j'ai préparée en vitesse. Ok? Donc là j'ai fait une map en vitesse, c'est seulement pour vous montrer ils ont ajouté dans cette version. Voilà, ils ont ajouté plein de nouveaux trucs dans la version. Voilà. Donc ils ont ajouté des nouveaux tableaux. Voilà. Donc en fait dans cette mise à jour, ils ont ajouté des nouveaux tableaux. Et donc il n'y a pas tout. Hein. Donc j'ai pas mis tous les nouveaux tableaux parce que y a pas c'est pas comme le truc c'est pas trop grand en fait. Ouais. Le truc c'est pas un mal du casse un truc qu'il fallait pas bon voilà. Donc il y a plusieurs styles de tableau voilà donc là plusieurs styles de tableau voilà donc là les nouveaux tableaux qui sont là donc il n'y a pas tous les nouveaux là pas tous les nouveaux mais j'ai pas encore il faut que je fasse une vidéo complète. Donc il faut que je fasse une vidéo complète qu'ils ont dans la version voilà. Donc là une vidéo peut-être à sortir une vidéo plus complète que ça, plus poussée. Donc pour moi c'est une petite vidéo à froid que j'ai fait, à chaud ou à froid, c'est la même chose. Donc ils ont ajouté ça à peu près de nouveaux tableaux, voilà. Donc ils ont ajouté des nouveaux variants de chiens, voilà, de loup, de chien, c'est la même chose. Donc les différents variants, ça dépend. Par exemple, John Neige, c'est un autre style de chien, voilà. Je sais pas si quoi, attends, il y en a un tout là-bas. Est-ce que, attends, je peux vous montrer. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit? Je peux vous montrer en direct les différents chiens, les différents loups qu'il y en a, mais donc je pense pas. Je crois pas là, tout là, je pense pas. Peut-être là, je crois pas. Là et ici, non, je crois pas. Donc là, différents loups, mais bon, pas grave. Donc là, différents loups, là, des chiens, là, des loups. Les loups, c'est les chiens, en fait. Hein. Les petits chiens, les loups, c'est les mêmes choses, voilà. Donc les loups, il y a plusieurs statuts de loups. Là, des loups de la forêt. En fait, c'est des loups blancs. Les loups blancs, c'est dans la neige, à peu près, je crois. Il y a différents types de loups, voilà. Donc, pour le moment, j'ai pas fait, j'ai pas, je peux pas, je fais une vidéo plus poussée de ça. Peut-être la semaine prochaine, voilà. Donc, la semaine prochaine, où est tout, les trucs, je spoil, où est tout, les trucs. Peut-être la semaine prochaine, notre semaine. Je vais faire une grosse vidéo de ça. Donc, c'est trop petit, c'est pas grave. C'est là, c'est vite fait à chaud, à froid, c'est la même chose. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'ils ont ajouté dans cette version, c'est les tableaux. Les différents loups, là, des loups montagnes ou les loups forestiers, peu importe. Voilà.
Donc ils ont ajouté des nouvelles choses comme des tatous, voilà. Donc ça c'est des tatous, voilà. Donc ils ont ajouté des tatous dans la version, voilà. Donc les tatous drop, les écailles de tatou, voilà. C'est des écailles de tatou. Donc les écailles de tatou, on peut faire ça avec. Donc avec les écailles de tatou, on peut faire une selle, voilà. Donc pour faire une selle, il faut avoir pour faire une selle, il faut avoir à peu près 6 écailles de tatou. Il faut avoir 6 écailles de tatou. Donc, il faut mettre les écailles comme ça dans la table de craft. Ça s'appelle une table de craft. Voilà. Donc il faut mettre 6 voilà. Pour faire une selle pour les loups. Voilà. Donc les loups ont une selle de souris. Voilà. Donc je vais vous montrer, attends, je vais faire un loup là, attendez, en direct avec vous. Je vais chercher les loups, hop, voilà. Voilà, on va chercher les loups, on va les donner à l'os à manger. Hop, je vois pas l'os, bon. Pour éviter de perdre ça, j'ai mis ça là, hop, voilà. Donc l'os à manger, il est là. Donc aussi ils ont ajouté des nouveaux, ils ont changé la bannière, voilà les bannières normalement. Donc ils ont changé l'image des bannières, voilà. Donc non c'était pas comme ça, mais bon ils ont changé ça, voilà. Pour faire les bannières, des bannières et ah merde, des bannières et des ouais exactement. Viens là, toi, arrête d'attaquer le cochon. Viens là, viens là. Non, 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 non. Oh, mais bon. Voilà, donc si on donne un. Voilà, hop, voilà, il a tué un petit mouton. Donc la mûre pour les chiens sert à ça. Ça sert à protéger son animal, voilà, de compagnie, voilà. C'est seulement pour les chiens parce que les chiens attaque vraiment à force, voilà. Ils attaquent à corps à corps avec les mobs, voilà. Donc la mûre spéciale pour les chiens, voilà. Donc voilà, ça sera plus poussé peut-être un jour ou l'autre, voilà. Pour la semaine prochaine, on aura une vidéo plus poussée, voilà. Donc là, en fait, pour les écailles, il faut avoir 6 écailles pour faire une armure pour le chien, voilà. Ah, c'est toi, voilà. Donc voilà, il faut avoir 5 ou 6 écailles, voilà, pour un chien. Donc les nouveaux tout, c'est ça, et voilà, et les barrières à changer, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un nouveau mob qu'ils ont ajouté. C'est le squelette, voilà, un nouveau squelette, voilà. Donc ils ont ajouté un nouveau squelette dans la mise à jour, un squelette du marais, ça s'appelle, voilà. Donc le squelette des marais spawn dans les marécages, voilà. Donc des marécages ou marais mangroves, voilà. Soit dans les mangroves, soit dans les marécages, voilà. Comme là, le marécage normalement là. Donc là, c'est un marécage, normalement ça arrive, ça spawn là aussi, voilà. Ça spawn dans les marécages, comme là, les marécages. Ou dans les mangroves, entre les deux, voilà. Donc si vous voyez un de ces mobs, ça peut être dans les marécages ou dans les mangroves, voilà. Donc les mangroves, c'est un nouveau biome, voilà. Donc voilà. Je vais faire la vidéo plus poussée un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, que je vais tout faire bien, voilà. Tout mettre bien, voilà. Donc comme c'est une vidéo à chaud, voilà. Donc c'est un nouveau squelette, voilà. Donc il est voilà, c'est un nouveau squelette, voilà. Bon maintenant on va passer au nouveau une nouvelle arme, voilà. Donc on a une nouvelle arme, voilà, et c'est une hache, une massue, voilà. Donc la massue, c'est ça. Pourquoi faire la massue, il faut avoir un bâton et des nouveaux objets, voilà. Donc il faut avoir un bâton et avec un nouveau objet, voilà.
Donc, pour trouver le nouveau bâton, et voilà. Donc, pour faire cette arme, il faut trouver un nouveau truc. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour faire cette arme, il faut avoir un bâton et une sorte de bloc, voilà. Donc, pour trouver ça, il faut pour trouver ce bloc, pour trouver ce cœur de loup et les bâtons de Blaze. Donc, pour faire les bâtons de Blaze, c'est ça. Donc, les Blaze, c'est celui-là. Donc, je crois il faut tuer un de ces nouveaux mobs, voilà. Je vais vous montrer là, il spawn normalement. Je vais vous montrer là, il spawn d'abord. Je vais vous montrer là, il spawn aussi quand même. Donc, ces nouveaux mobs drop des bâtons de Blaze à sa mort normalement. Sans le tuer, il drop soit des bâtons de Blaze, soit des vents. Donc, le vent, c'est ça. Voilà. C'est ça le vent. C'est ça le vent. Donc, le Blaze, si la potion le tue, il va nous donner des vents, voilà. Des champs de vent, voilà. On peut dire, voilà. Donc, la nouvelle massue, voilà. La nouvelle massue est arrivée, voilà. Donc, la nouvelle massue se craft comme ça, voilà. Donc, la nouvelle massue, ça permet à tuer les mobs plus facilement. Par exemple, un zombie, voilà. On va tuer les zombies. Donc, il y a plusieurs façons de tuer les mobs. Voilà. Donc, si je tue le mob comme ça, il faut donner plusieurs coups pour qu'il meure. Okay? Donc, plutôt 3, 4, 5 coups par là, 10 coups par là. Voilà. Et aussi, on peut le one shot. Voilà. C'est-à-dire, le one shot. C'est-à-dire, par exemple, lui, on va le one shot. C'est-à-dire, on va le tuer sur le vite fait. Voilà. C'est-à-dire, pour le tuer avec la hache, comme ça, pour la massue, on peut le tuer facilement, c'est le mot, voilà. Donc, il faut courir et sauter, voilà. Il faut que je cours et je saute, vous allez voir. À peu près comme ça, il faut juste que je la one shot comme ça, à peu près, vous avez vu? Donc c'est très difficile à one shot un monstre, c'est pas grave. On fait tout celui-là. Donc à peu près, pour tuer ces mobs, peut-être faut donner plusieurs coups, voilà. Donc ça dépend la hauteur un peu de, un peu, ça dépend la hauteur peut tomber sur un mob. Par exemple la hauteur, cette hauteur là, ça dépend si on veut tuer un mob, un méchant. Bon, j'ai loupé. Bon. Ça dépend à quelle hauteur on peut tuer ce mob, voilà. Ça dépend la hauteur c'est tout hein. Ah mais il fuit, il veut pas mourir, désolé. Ça dépend de la hauteur en fait, la hauteur, voilà. On peut le viser de 3-4 mètres de haut, voilà, comme par exemple ici, voilà, s'il bouge pas quand même. Mais c'est juste, voilà, pour le tuer. On peut le tuer à plusieurs hauteurs, là. Voilà. Donc avec la nouvelle massue, voilà. C'est une nouvelle arme qu'on a sur le jeu, voilà. À part les épées, la nouvelle arme, voilà, que ça, voilà. Donc voilà, pour le crafter, vous avez vu, c'est un bâton de Blaze, et voilà. Donc là, je vais vous montrer un nouveau truc qu'ils ont ajouté. Voilà aussi. Donc ils ont ajouté le bundle. Le bundle, c'est ça. Donc le bundle se craft avec une peau avec des fils d'araignée. Voilà. Donc le bundle se craft comme ça, avec des peaux de cuivre, avec les cuivres, voilà.
Ça s'appelle du cuivre, mais c'est de la poudre, voilà. Donc, pour faire un bundle, c'est comme ça, voilà. Ça s'appelle un bundle, voilà. Ou un lot, voilà. Un lot, c'est en anglais, voilà. Comme le jus, c'est en anglais, parfois, je ne sais pas si j'ai mis ça en anglais, bon. C'est, voilà. C'est une sorte de bundle. C'est un nouveau truc pour stocker, voilà. Donc c'est un truc pour stocker, voilà, par exemple, je peux stocker, par exemple, ça, voilà, c'est pour stocker, voilà, donc c'est pour stocker, donc pour dévider normalement, donc ça, c'est pour stocker, en fait, voilà. Donc là, c'est pour stocker, en fait, hein, le bundle, voilà, c'est écrit là-haut, c'est écrit le bundle, voilà. Donc c'est pour stocker, par exemple, je peux mettre Zif, ça, je peux mettre... voilà, une fois c'est plein comme ça, c'est plein, voilà. Donc c'est un nouveau truc de un sac, on peut dire c'est un sac, voilà. C'est comme les coffres, c'est comme les... C'est comme les shekels, voilà. C'est comme les boîtes de shekels, c'est permet de stocker les items, voilà. Donc pour obtenir le truc c'est du cuivre, voilà. Donc là c'est en fait c'est une vidéo à chaud que j'ai fait, c'est tout à chaud, voilà, une mise à jour à chaud, voilà, que j'ai fait, donc voilà. Donc ouais, une petite mise à chaud, ça va vite, ok. Donc là on va parler des nouveaux trucs à vous montrer encore. Donc il y a des nouveaux CD aussi, voilà. Donc on va mettre ça et voilà ici. Donc il y a des nouveaux CD aussi à vous montrer, donc voilà. Donc on va ranger tout ça, voilà. Donc là, des nouveaux CD, voilà, c'est ici. T'as ces quatre nouveaux CD qui sont ajoutés. Voilà, alors je vais vous faire écouter ça plus en détail dans la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, voilà. Donc tout ça sera mieux expliqué que là, voilà. Donc je vais vous montrer tout en détail dans une autre vidéo parce que là c'est à chaud que j'ai fait, voilà. Donc voilà. Donc là des nouveaux trucs qui sont ajoutés comme ces nouvelles choses, voilà. Donc tout ça c'est des un peu de c'est des sortes de spawners, voilà. Des spawners à items, voilà. C'est des spawners à items pour moi, ouais. Pour récupérer dedans, il faut avoir une clé comme ça, une clé en cuivre, voilà. En fait, il y a deux sortes de clés, voilà. Il y a deux clés. Donc, pour celui-là, il faut avoir celui-là. Donc, celui-là, en fait, vous faites un clic dessus, voilà. Donc, je vous montre, on peut avoir plusieurs choses dessus ou dedans, voilà. Comme des diamants, comme du fer, voilà, comme tout ça de tout, voilà. Donc, ouais, on va essayer de récupérer. Hop, sans rien récupérer. Donc dans ça, dans ces sortes de machins, c'est des nouveaux, voilà. Donc il y a plusieurs trucs, t'as du diamant comme là, voilà. T'as du diamant, on peut avoir du diamant dans ça, du diamant, des émeraudes, voilà. Du fer, des nouveaux trucs, voilà. Comme les nouveaux potions, voilà. T'as des nouveaux potions aussi, t'es ici, et donc je vais monter des nouveaux potions. Voilà, des nouvelles potions. Voilà, t'es ici. Non, c'est voilà, là, ici. Voilà. Donc, tu as des nouvelles potions, voilà, qui est ici, là, que vous voyez. Pas pareil comme ça, non, voilà. Donc, là, des nouvelles potions. Bon, attends, hop, je suis là, là, voilà. Donc, tu as des nouvelles potions, tu es juste ici, des potions de poison, je crois, dites comme ça. Donc, on peut les avoir ici. Et aussi on peut avoir des diamants, comme là j'ai deux diamants, trois émeraudes, 4-5 émeraudes, voilà, vous voyez, je vois. Et aussi je vois un arc, je vois un arc que j'ai là. Et des nouveaux trucs aussi, voilà. Donc je vous explique aussi, hop, on va récupérer tout. J'ai une hache aussi, ouais. Allez, voilà. Donc là, une fois on récupère, on peut pas avoir d'autres, voilà. Donc il faut... à peu près changer de mode, voilà. Donc j'ai une arc solide, ouais, solide, c'est bon quand même, hein. Bon, j'ai une nouvelle arme, c'est bon, voilà.
Donc là, j'ai beaucoup de quand même de émeraudes là. J'ai 4 diamants. Ouais, j'ai 4 diamants, j'ai ouais, pas mal. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment avoir le bâton de pied de Blaze et ce nouveau truc, voilà. Donc pour avoir ces nouveaux trucs pour faire la massue, voilà, il faut aller dans une chambre. Les chambres, c'est une nouvelle sculpture. On peut trouver ce mob-là. Et c'est ça de toute façon, voilà. Donc je vais me taper dans une chambre pour vous montrer c'est quoi une chambre. C'est une sorte de chambre, pas une chambre de l'endroit, hein. Mais c'est une chambre, on peut trouver des nouvelles choses comme le nouveau mob de là. Il est tout comme ça. Et pour avoir la masse, voilà. Donc je vais me taper à la chambre que j'ai trouvée et on va se laisser dessus. J'ai fait une vidéo plus en détail la prochaine fois, donc voilà. Restez abonné quand même, voilà. Je vais me taper et voilà tout de suite. Donc voilà, donc j'ai tapé dans une chambre, normalement c'est ça une chambre, voilà. Donc tout ça c'est des chambres, c'est une nouvelle sculpture là dans le nouveau biome. C'est des nouvelles sculptures, c'est immense, voilà. Donc ça continue tout là, c'est tellement immense quoi. Donc c'est tellement immense que on peut se perdre dans ça. Voilà. Donc tu as tout ça de pièces, voilà. Tu as des pièces à des pièges, voilà. Comme ici, normalement, c'est des pièges de monter là, voilà. Des pièges ici, normalement. Et donc là, des barils, comme ça, voilà. Donc ici, c'est une chambre, là. C'est des chambres, on appelle ça, voilà. Donc voilà, c'est une chambre, là, une immense chambre, voilà. Donc en fait, bon, ici c'est une chambre, là. Donc en fait, je vais vous expliquer comment avoir. En fait, ici, il y a des lits aussi dans la chambre, en fait. Normalement, il y a des lits aussi, donc voilà. Donc une chambre, là, des coffres, des lits, des tout ça de tout, voilà. Donc les chambres à des zones de combat. Donc à des zones de combat comme ici, là c'est une zone à combat ici, vous voyez. Donc ici il y a une zone à combat, t'as des mobs, voilà, pour se battre. Et aussi t'as les trucs que je vous ai montré aussi là. Voilà. Et aussi là, des nouveaux trucs qui n'ont pas encore sorti, donc je vais vous montrer après. Donc normalement là, des lits. Donc là, des lits à un endroit. Mais je sais pas où c'est les lits. Bon. Non, là, des lits quelque part. On peut dormir normalement. Là, t'as une sorte de ma carte. Donc là, t'as des. En fait, là, c'est les chambres. Voilà. Donc là, t'as des nouveaux trucs ici. Là, je vais vous expliquer c'est quoi après. Plus en détail. Donc, normalement, là, des lits quelque part. Mais je trouve pas les lits. Donc normalement là des lits mais je sais pas où ils sont. Donc normalement des lits, là des sortes d'habitations normalement. On peut dire que c'est sorte de ruines abandonnées, voilà, on peut dire ça comme ça, mais voilà. Donc dans les barils, attendez, je vais vous montrer dans les barils là quoi. Et aussi plus en détail, je vais vous dire, il y a aussi un nouveau gold mode. Pas un gold mode. Dans ces sortes de barils, on peut trouver des œufs, des œufs de laine ou des perles. Et normalement, là, des coffres, là, vous avez vu des coffres, c'est pour des coffres encore. Comme là, des pierres dans les barils aussi, donc voilà. Donc, t'as des barils, des coffres aussi, vous avez des coffres quelque part, je sais pas où. Et normalement là des sortes d'endroits t'as des lits normalement. Donc là c'est pas on peut trouver où mais voilà. Donc là on est dans une zone de combat, voilà. Ici c'est une zone de combat. Donc une zone de combat il y a en fait là, plusieurs sortes de zones de combat. Donc il y a des monstres, voilà, tout ça, voilà. Donc là il y a quoi dans ce dollar rien? Ok. Donc voilà, dans les zones de combat, il y a à peu près des monstres, voilà.
Donc il y a un mot qui s'appelle le tout devant, voilà. Donc le tout devant spawn. Tout devant, oh ben là, rien. Donc là, tout devant, c'est ça. Voilà, c'est ce mob là qu'on a vu. Voilà, donc il spawn qu'on va se mettre en survie, mais bon. Donc dans les dans ces sortes de chambres, on peut dire, voilà, des sortes d'endroits, il y a ce nouveau truc là. Ça, voilà. Donc celui-là, on n'a pas encore. Donc celui-là, on n'a pas encore dans les inventaires, c'est-à-dire ici. Donc ici, on n'a pas encore ce nouveau truc, mais à seulement celui-là. Donc celui-là, il faut avoir cette clé. Voilà. Voilà. Donc celui-là, ça te donne à peu près soit des pommes, soit des émeraudes, ou soit des haches. Voilà. Donc celui-là te donne soit ça ou soit ça. Ou soit un bâton, je crois, soit le bâton, je sais plus. Donc on va, je pense on va chercher un autre et ouais, je crois. Donc là, ici, là, j'avais pas de chance pour avoir un bon trou, voilà. Donc normalement, il y a plusieurs endroits de ça, voilà. Donc ici, il y a fait un seul. Donc il y a plusieurs, là, plusieurs endroits, voilà. Donc celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est les couleurs, cette couleur-là, ça, voilà. Donc vous avez la couleur en bas, là. Vous avez la couleur en bas, c'est la clé qu'il faut prendre pour ça, voilà. Là, j'ai un mode, et voilà, bon, un mode, ou voilà, ok. Normalement, je vais faire une vidéo plus poussée que ça, mais là, pour le moment, je fais pas de vidéo poussée pour le moment. Donc on va attendre peut-être la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo pour pousser que ça, parce que là, en fait, c'est juste une vidéo que je vous montre. Là, c'est des sortes de machines ici, voilà. Ici, là-dedans. Ici, là, des sortes de pierre. Ah, c'est... Non, mais non. Donc ça, non, c'est pas nouveau tout ça. Ça, c'est un ancien tout droit. Bon. Bon, des fois, il y a toutes les sculptures... D'autres sculptures peuvent spawn en tout, comme les nash, les macaques, voilà. Là, j'ai trouvé des lits, voilà. Donc là, des lits, voilà. T'as à manger, t'as des patates, voilà. Là, des lits ici, voilà. Ici, là, des lits. Donc ici, il y a des patates et des, ouais, des planches en bambou, voilà. Donc là, elle a des lits, voilà. Ici, des fois, on peut trouver des lits comme là, voilà. Et ouais, il y a des lits. Attends, j'essaie de trouver une autre pièce. T'as un coffre qu'on a vu. Donc il y a des lits, il y a des sortes de plein de choses, voilà. Et en haut là quoi, en haut là quoi, et en haut là quoi. Hop. Ici, en fait, voilà, donc ouais. Donc il y a des portes, voilà, donc. Tout que vous voyez là, ça se trouve, et là ça sera une dernière vidéo spéciale, pas aujourd'hui. Donc peut-être la semaine prochaine, ou une vidéo que je vais vous montrer tout qu'ils ont ajouté, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui, ça va sortir, mais c'est pas ça, ça sortira pas aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo comme ça, voilà. Donc t'as des coffres là, ok, t'as des coffres là aussi, des coffres, t'es pas rempli des choses, voilà. Il faut que je trouve une autre pièce pour ouvrir les cadeaux. Je sais pas s'il y a des pièces à l'endroit. Ici on est là, non? Donc tellement les pièces se ressemblent, donc bon, je pense qu'on va se laisser là, mais on va se laisser là parce que c'est trop long. La vidéo va durer trop longtemps. Donc je vais pas la vidéo durer longtemps. Ah, j'ai trouvé un, voilà. Donc voilà un. Hop, voilà. Donc deux diamants, un livre, et voilà. Bon. Pour normalement, des fois ça nous donne des bons trucs, voilà, des fois des mauvais trucs, mais c'est pas grave. Donc on va se laisser dessus, voilà. On va se laisser dessus pour notre épisode, voilà.
pour notre épisode de Minecraft Hotel demain. Voilà. Donc demain, ça sera encore demain sur. Sur encore, ouais. Sur. Ouais. Exactement. Sur. Encore. Ouais. Le stade, voilà. Donc demain, un Minecraft Hotel sous le stade, voilà. Donc voilà. Donc je vous laisse tranquillement. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on va se retrouver demain pour un Minecraft Hotel, voilà. Donc la semaine prochaine peut-être je vais faire une vidéo plus poussée pour les trucs qu'ils ont ajoutés, voilà. Donc, parce que là c'est une vidéo courte, voilà, très longue, mais je vais pas s'attendre trop long quand même. Voilà. Donc on va se laisser tranquillement, abonnez-vous, likez, partagez. Et on va se retrouver pour notre épisode de Minecraft Hotel. Allez, bonne chose, bisous, allez, abonnez-vous, likez. Si vous voulez télécharger, tester la version, je mettrai le lien dans la description. Allez, ciao, bye, tchuss.